Yeah, c'est un peu grande. Ouais, j'ai monté. Mais t'es plus grande que je pensais. Je m'attendais à ce que tu sois plus petite. Fait que la gang, si vous avez pas remarqué, c'est Pascal ici présent. Allô? C'est mis sur son 31. Je reviens d'un tournage ici, c'était mon costume, je suis partie avec. Non, 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 elle s'est préparée pendant 2 heures, elle est en retard, tabarnak. That's why. Fait que ouais, c'est une première, Pascal, sur la chaîne YouTube. Mais si vous la connaissez pas, Pascal, fait 20 fois, je dis son nom. Bonsoir. Et aujourd'hui, première collab avec Pascal, je me suis dit quoi de mieux que de s'offrir des cadeaux. Ben, on aime ça les cadeaux. Une première rencontre, briser la glace, s'offrir des cadeaux, c'est fucking nice. C'est bon ça. Ouais. T'es-tu comme familière avec les friperies ou pas du tout? Genre? Oui, et okay. D'ailleurs, j'ai regardé beaucoup de tes vidéos de friperies, alors je crois que je l'ai torché. Ah! Yeah. Ah ouais? Yeah. Ok, je te jure que je m'attendais à ce que tu me dises qu'il y a pas tant, que tu magasinais pas tant les friperies. Non, quand même. Ouais, quand même beaucoup. Ok. Genre... Fait que toi, tu penses que comme tu vas être meilleure que moi. Je sais pas. Tu connais bien mon meilleure que moi. Ben oui, ok. Moi, j'ai genre vraiment regardé ton Instagram. Ok. Puis ça, en fait, je pense que ça va être ça mon défi. Parce que je trouve qu'on a vraiment des looks différents. Fait que ça va être dur de, of course, pas magasiner pour moi. Parce que j'aime ça magasiner, tu sais pas. Ça, t'as un style plus girly que moi. T'as quand même des petits tops. Mon style me fait penser un peu à celui de Claudie. Tu comprends? Mais moi, je dirais que mon style, c'est beaucoup genre, tu sais, plus comme un peu vintage puis beaucoup coloré, là, tu sais. Coloré! Coloré, là. Ouais. Couleur. Ouais, c'est vrai. Tose des couleurs. C'est vrai. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Un peu bohème. C'est vrai. Un peu bohème aussi, genre. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a quand même des articles que je vois que je pourrais trouver en friperie. Fait que j'ai espoir. Ok. Mais j'espère qu'il y a au moins, genre, 3-4 trucs que je vais trouver que tu vas être comme, ah, c'est cool, Cass, merci, c'est gentil. Et toi, tu décrirais ton style comment? Ben, en fait, à toi de le décrire. Ben là, moi, j'ai envie de te le dire. Des photos, des inspirations, et comme refait la job une deuxième fois. Oui, j'aimerais. Non, mais j'aimerais que tu me dises, toi, comment tu me considères mon style. Parce que c'est fun de savoir la perception des gens. Ouais, ok. Ben, moi, je vois souvent qu'il y a des vestes oversize, genre de même. Ouais. Je pense en une shitload de toutes les couleurs, toutes les patterns. Ouais. Ça, là, c'est genre je suis très chemise. Alors, ça, je sais que je vais checker. Ouais. M'en trouver. Ben, j'aime ça, déjà, que ce soit oversize. Je mets pas tant de trucs serrés. Ou si je mets un truc serré, justement, c'est en dessous d'un truc oversize. Quelque chose d'oversize à quelque part. Ouais. Sinon, j'oserais dire décontracté, confortable. Elle aime ça, elle. Ouais. Ben. Mettons, je serais pas bien avec un petit top genre sexy, genre à la clo, mettons. J'aurais pas choisi ça, mon. Ben, non, je serais comme, je trouve ça bon, mais je vais mettre. Pour les cadeaux. Au moins, c'est ça. Fait que, dans le fond, si t'avais pas compris, aujourd'hui, on va faire un swap de cadeaux de friperie. On a pas dit ouais, j'ai Moi, juste le dire, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? On a un budget de 50$ aussi, c'est important à dire. 50$. Tu vas pas le dépasser, match. Ok. Là, moi, j'ai pas les économies de fou, là, t'as pas fait mal. On est quand même ben juste influenceuse. Non, c'est ça. J'ai pas d'OnlyFans, ok. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'en va direction Renaissance pour essayer de se trouver des trucs pour se faire plaisir. Comme ça, briser la glace. Devenir probablement meilleure amie, tu sais, vas-y. Ben oui, tout dépendant, peut-être qu'on va être déçu, puis dans le fond, on va s'arrêter. Ben, date, ça va bien, je trouve. Ben, c'est ça, en fait. Fait qu'aujourd'hui, c'est un ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Fait qu'on y va, c'est parti! 6.5 hours later. Fait qu'on revient de magasiner. Comment ça a été? On s'est rien dit encore, suspense. Ben, moi, ça l'a bien été. Ben, au Renaissance, genre, il y a vraiment beaucoup de. Je sais pas si c'est parce que c'est. Trié en couleurs, mais il y avait tellement de rangées de noir. J'ai comme, ça porte pas tant de noir que ça. Ouais. Puis, il y avait beaucoup de trucs chauds, genre beaucoup de tricots, des trucs en manche. Mais c'est parce que l'automne arrive plus vite qu'on pense. Ben, c'est ça, je pense que là, ils ont peut-être sorti leur stock de du wild. Déjà. Ouais. Fait que c'était un peu plus top côté. Ok, fait que tu vas-tu acheter des affaires d'hiver? Non. Moi, au début, quand je suis rentrée, pour vrai, j'ai trouvé ça vraiment facile. On dirait que je trouvais plein d'affaires, genre. Puis j'étais comme, c'est bien trop easy, genre. Je sais pas, j'ai trouvé ça difficile à la fin parce que, genre, je me regardais avec les vêtements, puis j'étais comme, ah, ça le fait pas. Mais j'étais comme, on n'a pas le même style. Fait que, est-ce que moi, si j'aime pas ça, elle va aimer ça, genre, tu comprends? Ouais. Fait que j'ai trouvé ça plus difficile. Ben, j'ai trouvé ça facile de magasiner pour toi, mais j'ai trouvé ça difficile d'être comme, ah oh, ouais, c'est un bon choix. Genre, ok, mais moi, avec, je suis pas certaine. C'est-tu acheter des affaires? Non. Mais en même temps, j'ai acheté un truc, je me confesse. Mais j'ai pris l'affaire, puis j'étais comme ça, elle veut pas, je l'ai prendre. Ouais, c'est ça. Moi, tu sais, il y a des affaires que j'étais comme si ça y fait pas, elle veut pas, ça va être chill. Ça va être pour moi. Alright, puis t'as-tu respecté le budget? Attends, dis pas combien. Ok. Mais sens-tu que t'es plus proche que moi? 50. Ça m'a coûté 51$. Ah, ça m'a coûté 55. Mais Chris, t'es bonne. J'ai même pas compté, genre. Je suis juste arrivée, j'étais comme plou, puis 51 avec le sac, là, qui est genre 50 cents. Fait que c'était 50. Chris!
mon dieu, excusez-moi. Un gros parce qu'on, sac de sport. On dirait qu'on a arrêté de manger et boire un petit peu d'alcool, puis là, on boit une gourou, fait que tout ressort, ok? Faut accepter. On va avoir de l'énergie pour la vie. Je suis stressée. Mais je suis plus stressée de te montrer mes affaires que de regarder tes affaires. Ça, je suis pas sûre que tu vas tant aimer. Et fais-moi confiance. Ok, moi, je commence par un basic. Comme ça, je sais que ça va pas être comme my god, c'est fucking lit. Ok, go. Un, deux, trois, go. C'est quoi ça? Attends, c'est une chemise. Mais attends, c'est que tu fais pas de photo shoot ce temps-ci. Puis comme, je me disais, ça, tu sais, c'est pas un passe-partout, mettons. Non, pas un passe-partout. Mais je me disais, tu sais, avec un mini top noir en dessous, genre. Ouais, tu comprends ce que tu faisais. À revisiter. C'est une chemise cute, là, non? Mais j'aime pas jusqu'à dire cute, mais c'est une chemise, certainement. Ok, mais je suis contente parce que je t'avouerais que c'est le morceau que j'ai le plus hésité. Fait, ça m'étonne pas que tu l'aimes pas. Ok, content. Cool. Au moins, ok. Moi, je suis allée voir ton IG et j'ai vu que t'avais la main de même. Et je sais que tu m'avais dit aussi que t'aimais les oversize. Alors j'étais comme, pourquoi pas le prendre en fucking grand et au pire, elle va le cropper. Ah, ben oui, c'est vrai. Celle-là, c'est un truc que tu vois, j'ai l'impression que tu pourrais aimer. Mais who knows? Ok. Tada! Oh ouais, t'es quand même plus belle, je l'aime plus que l'autre. C'est parce que c'est une petite chemise. Bizarre. Ouais. My god. Mais genre, mettons, je te voyais dedans parce que je trouve qu'elle fait un petit peu vintage, mais en même temps, je trouve qu'elle fait un peu girly, puis j'étais comme, je pense que ça peut être mon genre. Ah, ça tâche. Ok, ça c'est poigné après par contre. Je vais les arracher ça. Ah oui? Ouais. Écoute, j'ai hâte de voir comme, comment ça va tomber sur toi. Je me disais qu'il y aurait peut-être un potentiel, tu sais. Ça, je l'ai trouvé vraiment belle. Ben honnêtement, je t'avouerais que je tripe pas tant. Mais là, il est beau, en ce moment la mode c'est le carotté et le vert c'est la couleur de l'été. Mais je trouve vraiment ça fait Serge va jouer au golf, genre, tu comprends? C'est clairement Serge va jouer au golf, il y a la poche chaude là-dedans. Il y a un Serge qui a la poche chaude là-dedans. Il y a la poche chaude. Et je sais pas, genre j'ai pas envie de vomir. Ok. C'est quand même un bon signe, je pense. Ok, celle-là, je pense qu'il va te sortir de ta zone de confort. Ah, calice, plus que les autres! Mais je peux pas te l'acheter parce que je trouvais que tu le méritais, genre. Ok. J'étais comme. Il est trop cool pour pas l'acheter, genre. Ok. Tu comprends? Vas-y. Ok, c'est un gilet poisson. Mmm! C'est un gilet poisson! Comment les poissons? Ok, c'est ça, les. Check! C'est des poissons! Yo, mais honnêtement, ça, je me vois le porter en faisant des crêpes le matin. Genre, move pyjama. Honnêtement, il y a quelque chose dans ce gilet-là. On sait pas qu'est-ce qu'il y a, mais il y a quelque chose de cool. Moi, je sens que c'est quelqu'un qui l'a pris en voyage, genre, à Trois-Rivières. Moi, j'ai l'impression que c'est quasiment quelqu'un qui l'a fait, genre. On dirait qu'il y a des fêtes. On dirait que c'est Émile Lalonde qui l'a fait, c'est genre. Vrai, hein. Ah oh, ouais, check, il y a encore la colle ici. Tu pourrais la gratter. Le gros diamond qui est collé. J'aurais pu faire à semblant que je t'ai fait un DIY de chandail de poisson. Je suis comme, ah! Tu l'as fait toi-même, ça paraît! Non, mais je te jure que je trouve qu'il y a quelque chose, ce gilet-là, ok? Il y a un potentiel. Mais tu peux pas le jurer, je te dis. Ne juge pas les poissons avant de les avoir portés. C'est bien ça dit, le proverbe. Bien dit, bien dit. Et moi, je t'ai pris une chemise, je l'ai pris moins colorée. J'en ai pris okay. D'autres plus colorées. Ok, là, je viens de te donner un petit peu. Mais, check, elle est pas trop grande. Elle en va faire. Ah! Ah, ouais! Eh ben, faire ce genre de vidéo-là avec des personnes qu'on connaît pas tant, on va y repenser la prochaine fois qu'elle s'en va. Ok, mais en vous, elle est pas si pire, là. Ben, honnêtement, ça fait Manon. Ça fait Manon qui voulait se faire bronzer. Ça fait Manon qui se fait bronzer. Ça qui a genre. Ça, ça a une personnalité. Ok. Ça, c'est Manon. Next! Ok, ça, je suis sûre que tu vas l'aimer. Non, attends, je vais regarder à la fin parce que c'est mon morceau que je suis le plus sûre. Ok. Ok. Je vais y aller avec un morceau que je suis pas certaine. Mais, faut que tu trust the process. Ok. Parce que, comme, je sais que tu vas le voir, tu vas peut-être faire comme, ah, mais il y a un potentiel. Okay. C'est comme vintage, 90s. C'est une robe. Mmh.
Regarde, elle vient chercher au fond du cœur. T'aimes pas le pattern? C'est des roses bleues. Oui! Yo, tu verrais pas Marianne Plaisance un peu avec ça, genre? T'sais, avec des beaux Doc Martens. Marianne Plaisance, il y a n'importe quoi, ça irait super bien. Hey, faut que tu te fasses confiance. Toi aussi, toi aussi. Ok, mais ça, j'avoue que c'est quand même la moins pire de la gang, je crois. Honnêtement, puis je me suis dit, si tu assumes pas la robe, tu sais, ça peut quand même faire un beau crop top. Ouais, vrai. Tu comprends? Ok. Fait que genre, c'est fucking beau, il y a genre du petit zèbre. Ouais, je vois. Je vois. Ok, moi je t'ai trouvé d'autres shorts, mais rayés! Mais voyons donc! Mais là, elles sont beaux, là! En plus, c'est des. Mais c'est encore pour mon oncle Serge! C'est des Tommy Hilfiger! Mais t'inquiète, là, t'en as des presque pareils sur ton IG, là, genre rayés de même! Mais sacrement! Mais non, mais il était rayé comme ça, là! Moi, je me fie sur tes photos! Ok, ben c'est tellement bon parce que est-ce que toi, tout ce que tu m'as montré à date, tu te dis que c'est mon style? Je t'en remettre en question. Regarde, j'ai fait de mon mieux en Renaissance. Non, c'est vrai que t'as fait de ton mieux. Non, c'est vrai, on a tout donné pour vrai. Hey, moi, c'est mon style, ma petite. J'ai la veste de rideau le de maison. Non, la veste de rideau de moustiquaire. Hey, il faut que tu me fasses confiance, ok? Je sais c'est quoi ton style. Je connais mieux ton style que toi. croisons les doigts pour que le reste, ça soit mieux. Hein, ok, je t'en donne une autre. Okay, une autre chemise imprimée de couleur. Ça, tu vois, c'est mieux. On a quelque chose, là. Tu l'as? Oui, ça, on a quelque chose. Yeah! Ça, c'est pas si pire, honnêtement. Mais ça, tu vois, c'est le truc que j'aime le mieux que tu m'as acheté. Mais je pourrais te donner un 6 sur 10. Tabarnak! Celui que t'aimes le plus, c'est à peine la note de passage. C'est bien ça le pire. Mais en fait, c'est juste que je trouve que c'est vraiment ton style, genre. C'est un petit top. Je vois. Non? Je vois le potentiel. Ah, il y a un méga trou. Oh non! Mais voyons donc, je m'en suis même pas rendu compte. Mais qui donne des vêtements troués? Mais visiblement, cette personne-là. Mais qui les achète surtout? Visiblement, moi. Mais en tout cas, la couleur, elle a un potentiel. Cru, hein? Il a cru qu'on allait le. Mais je trouvais que le tissu était nice, mais sinon, il est tout déchiré. Moi, j'en ai un, mais comme plus je le regarde, plus je suis comme, ça fait un peu clown, mais. Ah! Je trouvais que. Attends, là. Parce que dans le fond, il venait avec. Pants, comme. Tu sais, j'avais pas le choix de prendre des pants. Ah, sacrement. Ouais, c'est pas dégueulasse, mon bon pantalon. Pis les pants, je me suis dit, au pire, tu veux faire un matching outfit, ben tu les coupes en short. Pourquoi pas? Je suis comme. T'en aimes plus, toi, de cadeaux? Oui, j'ai encore des cadeaux, toi. Ben bon, continuons, hein. C'est à toi, là, je t'ai amené l'outfit de clown. Celle-là, vois-tu, c'est elle que je trouve qu'elle est plus mon style. Bleu flash avec jaune. Oui, c'est ça qui est le plus mon style. J'ai l'impression peut-être que tu l'aimerais pas, mais laisse-toi dépayser, ok? Ok, c'est ça que je fais depuis. Parce que. Ok, c'est une chemise. Mm-hmm. Incroyable. Mm-hmm. Non! Avec une fougère. Je la trouve tellement belle. Tu l'aimes pas? Regarde, je te la donne. Je te. Ah, yo, tu vas au moins l'essayer. Je te jure que tu pourrais être surprise. Mais ça, je trouve pas que ça me fait bien les chemises de même. Ah! Justement, j'ai l'air d'un pédro dans le sud. J'ai essayé de te déstabiliser. Je me disais, mais ça marche. Ça va la changer le style. Ça va y faire ça du bien. Ça marche. Il y a de l'espoir. On n'a pas tout perdu. Oh, c'est ma dernière et c'est une robe. Ah, une robe. Mais sacrement, tu vas te prendre des affaires plus grandes, s'il te plaît? Non, mais elle est pas grande, elle est juste large, genre trapèze. Sacrement, du calice, ah, sacrement. T'aimes le design? C'est pas dégueulasse, mais c'est pas genre wow, tu sais. Écrivez dans les commentaires si j'aurais l'air d'un sac à patates coloré avec cette robe. T'es procuré une petite sacoche. Wow! Tu l'aimes-tu? Yeah! Elle est cute! Elle est cute! Non, mais genre, elle est vraiment mignonne, hein? Tu sais, elle est colorée pour l'été avec une petite chaîne. J'avoue! Genre, regarde. C'est une Madison West, je ne sais pas c'est quoi. Mais tu la trouves-tu belle? Oui! J'en ai une presque même de matériel verte flash. Ça va aller avec. Tu dirais-tu que c'est le morceau que t'aimes le plus à la date? Je pense que oui. Ça, puis c'est quoi l'autre? Je m'en rappelle. La robe? Oui. Exact! Les deux, okay. Je vais les mettre ensemble. Ben regarde le pantalon que je me suis acheté, tu vas tellement l'haïr. Ben non. C'est un pantalon jaune, mais mou. Ben non, je l'adore. J'en ai acheté un précieux vrai au Ben Outfitters. Ben non, je l'adore. C'est la seule fois que j'aime de ton.
Ben, finalement, j'aurais dû juste acheter la seule affaire que je me suis achetée. Avec la sacoche, je sais que ça fait wow, ça fait proche. Ok, mais là, j'ai une belle surprise pour toi. Ferme tes yeux. Le reste, c'est vraiment de qualité supérieure. Je t'ai acheté une boîte à bijoux. Oh! Elle est cute, hein? Elle fesse! Yeah! Elle fait vintage, mais attends! Oh! Il y a des surprises dedans. Oh! T'es-tu prête? Yeah! Je t'ai acheté des surprises. Regarde pas! Bon. Fait que la première affaire, c'est un collier avec des cœurs. Oh, ça, je verrais Marianne présente. Ben oui, mais toi aussi. Moi aussi. Ben oui, tu portes plein d'affaires de beige, genre. C'est vrai que tu portes des affaires fouilles. J'ai d'autres surprises pour toi. Okay. Tu sais, quand on était dans mon char pis que t'as ri de mon porte-clés, genre Cuba? Oui. Moi, j'ai senti un brin de jalousie. Ok. Ben, tu m'en as acheté un de Jamaïque, c'est ça? Non, mais j'en ai acheté un de Rivière à Maya. Oh! Quand même, hein? Regardez, c'est une petite sandale. Et oh! Regardez, la petite sandale de Rivière à Maya! Parce que dans le fond, dans le char à casse, il y a... Il s'est passé de la jalousie. Il y a un porte-clés. De Cuba. Hein, de Cuba. Puis là, j'étais comme, hey, à chaque fois que je les vois, genre, les petits porte-clés, même dans des trucs souvenirs, elle me dit, qui les utilise vraiment? Puis elle était comme, ben moi. Ah oui? Mais là, I'm part ben, of the gang. Oui, et là, t'en as un, t'as ton souvenir de Rivière à Maya. Tu as pas dire que t'es allée. Ben, c'est ça. Il me reste deux clous du deux spectacle. Surprises. OK. Un petit bracelet comme ci. Oh, c'est un choker? C'est comme un petit choker, mais c'était plus à la mode avant. Mais tu sais, les affaires à la mode avant viennent. Fait que t'es-tu contente de ton petit bracelet? Honnêtement, oui. Ça, je crois que je vais le garder, là, puis dans deux ans, il va être in. OK, puis j'ai trouvé le clou du spectacle. J'ai trouvé un best friend! Wow! Mais j'en ai trouvé seulement un. Fait qu'on sait pas c'est qui a l'autre. Ben, c'est toi, parce que t'as pas d'amis. J'ai juste le stuff ends. Mais c'est ça, c'est comme pour symboliser l'amour que je te porte après la vidéo, mais finalement, laisse fucking faire. C'est la marque que tu m'as acheté! Fait que, écrivez dans les commentaires qui nous deux a le plus relevé le défi selon vous? Ou qui a vraiment pas relevé le défi selon vous? Vous influencer. C'est quoi ton morceau préféré, mettons? Ben moi, je pense que c'était la robe et c'est quoi l'autre affaire que j'ai dit tantôt? La sacoche. Ok. Cool. Ouais, qu'est-ce que t'as plus aimé? Le moins détesté serait plus approprié. Ça, mettons, ça pourrait le faire, tout dépendant à quel point ça a l'air grand, mais okay. C'est vrai. Ok. Fais ce rôle. Ça, là, mettons. Là. Mais encore là, c'est pas la joie, c'est pas unique. Fait que écrivez dans les commentaires si vous voulez que Pascal revienne sur ma chaîne YouTube. Pas pour faire un swap de friperie, parce que je sens qu'il y en a comme 100 000 plein. Vous avez le droit de dire non. Puis, ben, c'est le fun, hein?